Eh bien, bonsoir, bonsoir mes amis, comment vous êtes? Je dis, c'est mercredi, c'est la veille, go fête aux États-Unis. Il y a les fêtes Coden. Et là, tout le monde a mangé Coden aux États-Unis, donc ça veut dire qu'il n'y a pas 10 millions de Coden qui mourent. Et de ça, toute l'Amérique, quelle que soit tendance sur la capacité économique, et bien, tout l'Américain est censé manger Coden à l'occasion, c'est là. Mais on salue nous, on nous a dérapé, là, on va se quand même. Mais le grand point qui se sape de l'actualité, c'est l'accord que Hamas joue avec Israël pour libérer et, en fait, environ 50 Israéliens que le groupe Hamas a pris avec eux le 7 octobre passé et qui ont été menés dans le territoire Gaza. Et bien, nous connaissons que Israël, depuis le ça, Israël a une guerre avec Hamas, qui a pilonné. Et pratiquement tout ça campé et sur notre territoire, l'hôpital, tout building qui vient bien écrasé, brisé. Mais finalement, et sous auspice Qatar, Égypte avec les États-Unis, et bien pays ça eux mettent ensemble pour rejoindre et mais quel est Qatar qui est en tête là, qui est en tête et négociation yo. Et bien Qatar arrivé, Qatar mandé et yo fin pas joindre une entente pour libérer otage, mais d'après ça qui dit, il t'a semblé que Hamas gagne plus passer 200 otages et parmi eux et non seulement les Israéliens mais gagne des étrangers et tout qui n'a même tout. Donc, finalement entente en juin et mais pour commencer libération non. Et il y a tant que au papita demain Israël qui a commencé à annoncer qui date qui à qui le il a commencé opération échange d'otages. Alors en retour avec libération on sait quand un otage Israël avec l'autre étranger, eh bien Israël promet lui-même pour lui font camper sous guerre, ça eu une trêve et pendant 4 jours et puis pour libérer tout plusieurs dizaines et un chiffre qui bat 150, mais pour libérer tout, il y a une quantité de Palestiniens qui ferment en prison en Israël. Donc, et puis bon, camper, grève, trêve là, tout la permet tout pour assistance humanitaire, pour les produits pétroliers, manger, etc., rentrer dans le territoire Gaza pour aller porter des gens qui ont besoin. Donc, sur le plan international, son réjouissance et communauté internationale, bravo pour la décision. Famille victime, nous rappelons qui ont même été organisé en marche et sorti de la vie pour aller dans Jérusalem. Eh bien, eux même ils ont bravo tout, mais seulement son soulagement, mais ils ont tourné Saint-Thomas et ils ont dit que les balles arrivées, il y a quoi? Il y a tant de gens qui ont les balles à commencer. Mais normalement, techniquement, le temps de commencer dès demain. Dès jeudi 23 novembre. Donc, mais c'est un paquet de barres, parce qu'en principe, il y a un gouvernement israélien qui était impliqué, il y a un juge qui est impliqué, etc., pour être d'accord. Mais en principe, Israël dit qu'il y a une liste, que c'est une liste israélienne, liste palestinienne qui a libéré, qui permet que la population, au monde qui est victime de. Action que les Palestiniens ont été posés en Israël, et bien plus tard, autant plus tard, en appel, puis tu as dit que le monde ne s'est pas arrivé. Donc c'était certainement Israël, ou encore Hamas, qui a une liste non-monde que libéralement d'Israël, même le monde s'est libéré en échange avec ça. Mais seulement, il y a une cinquantaine de monde, mais Israël promet tout, et il n'a pas fini, il dit que la continuité de la bataille quand même, par exemple, qu'on a pris libération d'otage. Et ça a prêté là, il a marché pour Hamas jusqu'à ce que Hamas pas existe encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun groupe militant qui existait pour menacer Israël. Donc, et puis, il dit tout, il pourrait tout, en plus de 4 jours de trêve que qui parlait, qui jouait dans l'entente là, et bien il dit chaque fois que Hamas, militant Hamas, a libéré 10 otages, et bien il a ajouté un jour en plus. Vous comprenez? Et voilà, c'est et puis aux États-Unis, c'est période fête pratiquement l'arrière calme. Bon, nous-mêmes nous venons travailler, tout le monde vient travailler, mais je dis à gros, on sort de pont, et ça va les gens qui quittent le travail, puis bonheur, 2 heures de temps à l'avance, et puis une famille qui vient pour voyager, qui pour aller et ouais, famille, qui pour aller manger à famille, parce que jeudi 23, c'est la fête Coden, qui est pour sortir au moins du Caraïbes qui a voyagé au moins 80 km.
premier petit pour aller réunir avec famille, avec ces saisons voyage tout. Donc l'IAN a un gros défi devant. Je n'ai pas que l'année dernière, je me suis pris un trap comme ça, un voyage comme ça. Et puis, moi, je me suis bloqué. Finalement, c'est conduit dans le côté de l'IA. C'était pour Adjoa. Donc, c'est conduit 10 heures de temps. Alors que quand je me suis pris 1 heure de temps. Et dans Dallas. D'après aller ça elle passe au Texas et bien si on fait la cause on passe fait là dehors et les motoner pour l'annuler encore bas à cause mauvais temps valise même pas jamais venu jusqu'à ces motoner les minutes valise à venir chigrer bon right back. Donc ça c'est dire que gros défi là ministre transport américain et boutique qui a mené un petit que américain il prend des mesures pour éviter que ça qui est passé l'année dernière là pas arrivé encore. Et yo bay li a yo plus moyen pour yo d'abord non seulement nettoyer avion yo c'est-à-dire que retirer neige dans aéroport yo mais tout et déglacer appareil tout les neiges tombées sur yo qui empêchent que fonctionner donc c'est ça que dit parce que me préparer puis yo veut plus route sur côte ouest là et puis bay personnel là plus moyen pour. Mais on m'a dit tout passager qui monte sur voyageur pour utiliser il estime à environ 55 millions d'américains qui voyager et on m'a dit pour tout vérifier avec l'aérien tout pour capable checker avec on est et si oui voilà pas annulé etc. Mais là-dedans 55 millions il y a environ 49 millions qui capable aller par la route donc à comment tient route à couper puis mauvais jour pour mon voyager ça va même depuis mardi pour me voyager, alors mercredi pour ne pas voyager, puis mauvais pour voyager c'est entre 2h et 6h p.m. Et puis mauvais jour pour voyager c'est mardi et mercredi, parce que ça a un gros embouteillage. Et puis mauvais jour pour retourner pour voyager tous ces dimanches, tout voyageur est censé retourner, parce que dans lundi, il faut tout le monde tourner à travail. Voilà la situation, ça a été. Dans l'occasion de la fête d'action de grâce, c'est jeudi, donc la Vente d'Amérique pratiquement a présenté un programme spécial. Côté nous parlons en pile barre que nous préparons pour vous dans l'occasion si là. Donc c'est un programme où Lolo et tout le personnel et service que là mettent ensemble pour nous présenter le programme si là. Donc ça veut dire que nous allons prendre demain. Nous allons prendre demain parce que demain, moi, je vais chercher le côté de Naé. Et quand je dis trop loin, m'bap ka chercher l'occasion de trop loin camarilis qui pas trop loin moins et mal idée a dit ni pas pour coden et Jacqueline dit moi lui même chez végé tout le monde gon ici je Jacqueline dit chez végétarien dit et que li va dans coden là donc m'a chercher monde là n'importe monde là sur aux États-Unis ou qu'on en a dans Washington dans là fait me connait non David manger coden dans là caillou et ou bien sur les mines que tu pour toi m'a vite mais faut faire me connait et m'a pas bon ça pour acheter qui ça m'a besoin pour me faire le pour et puis puisque me faire le pour m'a coûté quand même là ah ouais et bien c'est là nous camper et puis dans le pays d'Haïti gagne monsieur Caricom yo alors personnalité Caricom yo personnalité Caricom qui est en Haïti dans ton voyage je pas de rien et bien pareil là il va sortir il a sorti une sorte de un document qui d'après ça comprendre yo que la choisi meilleur bail que parti conseil te dit ça qui bon hein et puis pour présenter de ba parti au moins que ta ouais c'était qu'a commencer avec une négociation pour qu'il va déboucher sur faire résultat sur déboucher sur les élections et là la fait là parce que c'est objectif là et en attendant bon il y a pourri ancien premier ministre britannique Tony Blair que premier ministre a été amendé et pour lui servir comme et comme soit d'intermédiaire pour aider à résoudre ce problème. Mais c'est un problème haïtien, un problème qui a avec le Dominicain. Il y a toujours Jonathan Powell, son autre émissaire britannique qui dit même tout, impliqué dans le dossier et CARICOM avec Haïti, surtout avec l'acteur haïtien. Et pour être en mesure de faire une bonne entente avec le parti politique. Mais jusqu'à présent, le groupe et parti politique en Haïti, il n'y a pas de l'opposition. Mais il y a quand même fait une supposition et dernier demande qu'il a fait qu'on y a là, c'est demandé pour tout le ministère et le travail d'émission. Et les ça il y a capable commencer à faire négociation avec qui monde, parce que ça parce qu'il y a Ariel Henry. Donc c'est autant de questions qu'il a posé qu'on y a là.
mais je supporte. Le ministre, après le ministre a dans la proposition qu'il débat lui-même, il était d'accord pour l'élargir. Et c'était HCTA, c'est aux commissions de transition, hein, pour l'élargir, pour inclure plus de monde là-dedans. Et puis ils font passer maintenant le gouvernement pour inclure plus de monde. Mais en principe, monsieur est dans l'opposition, il n'y a pas de job à chercher et il n'y a pas de entrer dans aucun bail que le premier ministre a là-dedans pour ne pas, comme quoi, ok, pour ne pas béni. Action ou bien encore inaction pour le salaire en rien par ça pas fait je ne vais pas endosser, donc je ne vais pas là-dedans. Donc c'est dossier ça qui est là et puis gagné la police nationale qui a annoncé extradé aux États-Unis ils ont gang et les cocos sans race. Son gang qui est dans la Tibonite, eh bien, c'est à lundi que ça a fait. Mais son équipe a été dans une fois liberté qui semblait t'a cherché à entrer en République dominicaine. Eh bien, vous mettez monsieur, eh bien, vous voyez monsieur aux États-Unis, monsieur, même bon ici à la même dans Washington DC. Côté monsieur qui pour répondre et monsieur qui pour présenter devant le juge pour venir répondre parce que ça semble que monsieur t'a pour avec kidnapping quelques Américains. Donc, monsieur, depuis lundi là, monsieur, aux États-Unis, quand il y a l'autre n'est que la présence de l'autorité haïtienne extradée aux États-Unis pour venir prendre avec Zach Kidnapping, par exemple, pour venir avec Zach Kidnapping qui a été fait sur les citoyens américains. Et qui c'est encore que vous devez parler nous encore là? C'est dernier dossier on a maintenant qui appelle qu'à placer là pour demander pour protocoler, pour demander gouvernement, pour demander société civile là, pour demander communauté haïtienne, citoyen haïtienne qui est dans la diaspora, pour un groupe qui forme actuellement dans Orlando. Eh bien, Orlando, qui est en communauté civile, Orlando, et Canal la Pape Campé, eh bien, ils ont fait un cotisation, ils ont des cotisations pour les côtés by et communauté capricie et canal là. Mais jusqu'à présent, il y a des menaces qui ont pesé pour que le canal soit responsable pour voir qu'il n'y a pas gagné l'argent, ou bien il y a pris mon côté, il n'y a pas gagné l'argent pour finir le travail là, malgré la promesse que le gouvernement a fait pour lutter et aider. C'est ça, mais il n'est pas semblé que ça allait dématérialiser. Mais il y a quand même, il espère que la communauté haïtienne dans la diaspora a protocolé avec eux pour aider au faire. Il y a un groupe. Mon religieux qui a organisé une journée de prière et qui m'a dit, c'était vendredi 24, et qui t'a demandé pour que le gouvernement travaille juste avant de congé pour prier pour Haïti, sortir dans sa ligne jeudi. Et du gouvernement, on joue pas tout et pays, vu que le pays a passé plusieurs jours dans l'état lock, c'est-à-dire fermé. Donc, je demande au gouvernement de faire ça, mais de façon à pour toute l'église, ça ouvre pour tout. Et d'ouvrir pour permettre que mon monde mette à genoux, de demander bon Dieu, etc., pour assistance pour les pays d'Haïti. Après le message, il y a un exemple. Je fais passer le message là. Et puis, qui sait encore que nous t'as de parler dans le discours aujourd'hui là. Et, c'est le football brésilien. Aujourd'hui, c'est plus mauvais jour rien pour aller dans la contribution. Moi, je dis ça. Nous avons ça passé parce que le match Brésil joue un match ce soir avec l'Argentine. Le match a joué dans le top football brésilien, dans le stade Maracana. Le premier temps devait passer, mais il y a eu un peu de difficultés dans le rencontre. Et des organisations et comité organisateur, un fanatique argentin qui vient dans le match, mais il y a même un fanatique brésilien. Et bien bon, le match a retardé, il y a eu un match qui a été retardé. Parce que Francis n'est pas content et parce que de mettre Francis Brésilien, Francis Argentin en côté pour contre sécuriser, ok, c'est normal. Et à un certain point que joueur Argentin était obligé de quitter le terrain pour être capable de pas même le jeu match encore à cause de ces questions de sécurité pour fanatique qui était venu. Et même au moment, non moment qu'on jouait Argentin même qui était même monté dans le public là, aller dans le public là, même pour le bataille. La passe finalement après tant de discussions, etc. Léo Messi t'a demandé pour te demander qu'il va quitter le terrain parce qu'il n'y a pas de sentiment que le match était tellement sécurisé. Bon, match à jouer. Les 20 premiers ministres, c'est un vrai premier ministre. Brutal, dur, n'est pas un pile coup de pied, les deux côtés. Et pour le premier ministre a fini 0-0.
ce matin dans tribune te ouais parce que c'est un match zinté pas me comme d'appeler parler de match ça zin dans un match et puis dans deuxième mi-temps mes amis les charges on connaît bam goal Argentine et Argentine marque un goal brésilien yo crier sur terrain fait ça était capable mais brésilien était calé le match bon en général ça est pas ça ça compte ça et goal marque goal pas capable était calé c'était il va marcher il va marcher mais fait ça était capable. En tout cas, sur l'équipe brésilienne qui mérite de réformer, l'équipe actuellement est classée 6e dans le classement général. Là. Pas de différence, point qui sépare, mais Venezuela là a mené, Venezuela a monté là sérieusement. Et ça fait Brésil 3e défaite. Là. Il subit, et non, Coupe du monde. Et pas mal qui vient arrivé. Et d'autant plus dans le match qualificatif, d'ailleurs, ça qui dit, dans le match qualificatif de Coupe du monde, en général, Brésil n'a pas perdu le match à Cali. Et bon, bah ça met ça comme ça tombé qu'on y a là et voilà donc n'a pas toujours bon, c'est pas la fin du monde quand même mais c'est bon bonne nouvelle quand même pour fanatiques brésiliens donc on peut comprendre que je dis à conversation que tu gagnes en Haïti surtout dans le bureau contribution dans le bureau l'État yo. Après avant il n'y a pas de aucune conversation mais je dis à conversation fanatiques brésiliens par contre tu dis mais tu mets un uniforme brésilien pour aller en travail. Alors dit je te fais ça alors que l'Argentin était content pour mettre maillot argentin sur le pour travail. Donc souvent on va pouvoir régler, si on ne peut pas les dégrader le football, il n'est pas occupé. Donc ça veut dire que je dis travail ralenti, de ce besoin qu'on connaît qui le travail ralenti en Haïti, c'est après un match Brésil ou un match Argentine fin de jouer. Et c'est là ça où aller qui un travail ralenti. Donc au point de vue de productivité, donc tout le monde laisse assez de soi à parler, tout en bas tonnel, tout en bas poteau électrique, c'est de soi à parler. Et puis, on a pris dans la zone de Bolakay, pas nous. On a pris dans la zone de Ligue et Concacaf là. C'est une grosse surprise. Surprise, mes amis. Jamaïque qualifié pour semi-finale. Semi-finale Ligue Concacaf. Ligue pays Concacaf. Surprise. Parce que Jamaïque était perdu. Canada, Cali, Jamaïque là, dans Kingston. Donc, Jamaïque vient jouer match avec un déficit. Eh bien, parce que Jamaïque livre la CAI Canada, Cali Canada 3-1, et le qualifier pour goal que marqué en déplacement. Parce qu'il marqué 3 goals en déplacement, Canada a marqué 2 goals, donc il qualifié, il qualifié Canada. L'autre surprise à tout, c'est Honduras qui est éliminé. Mexique éliminé, Honduras soutenu de pénalité 4-2. Et match a Mexique perdu, match a été joué dans le stade Azteca, et bien match a été joué, il roulait, roulait, et bien match a Mexique qui fait un goal, donc match a été égalisé, parce que Mexique vient à mener 2-0, donc tout l'équipe a gagné deux goals, et bien match a allé en prolongation, et grâce à la bagaille, top bagaille, donc l'équipe a allé en pénalité, et c'est comme ça que Mexique est sorti de réalité, il est calé, équipe de Cali Honduras. Yeah. Donc, dans ce final là, le match a joué pratiquement dans le mois de mars. Ce final là, et bien, c'est un final avant la lettre. C'est États-Unis contre Mexique. Deux belligérants dans la zone. Et puis, il y a Panama qui n'a pas fait ça avec aucun cadeau. Panama a rencontré avec Jamaïque. Alors, dans le palo, quatre équipes ont qualifié tout pour. Et Copa América, qui a déroulé aux États-Unis. Il y a 4 équipes qui sont qualifiées, donc États-Unis qualifiés, Panama, et États-Unis, Panama, et États-Unis, Panama, Mexique, et puis Jamaïque. Donc nous avons représentants dans la compétition. Nous avons pas dit Centenaire, Haïti était présent. Eh bien, Haïti, qui est le président là, ça va marcher. Bon, Jamaïque, un compliment, nous souhaitons bonne chance dans la compétition si là. Et pour représenter nous, mais c'était 6 équipes à prendre. Par contre, qui j'ai envie de le faire, est-ce qu'ils ont l'autre match d'appui qui pourra jouer pour sélectionner et pour être sélectionné de l'autre équipe? Parce qu'en principe, et c'est 6 équipes qui t'a pour ajouter sur 10 pays dans l'Amérique du Sud, qui est dans le commun de Bolio. Donc il y a 4 là qui est là, donc manquer deux. Donc on va qui va faire quand même. Et moi je crois que c'est pas très certainement. Et il y a Trinidad qui est éliminé, il y a Honduras
qui est éliminé, il y a le Canada qui est éliminé, et puis il y a le Costa Rica qui est éliminé. Donc, quatre équipes, ils vont jouer un play-off. Et dans le play-off, là, de là-dedans, ils ont qualifié pour représenter CONCACAF là dans la Copa América. Mes amis, c'est ça que je vous dis pour nous, je vous passer une bonne fête, soit aux États-Unis et pour la première fois venir aux États-Unis, et bien, nous allons essayer de comprendre ce que fait l'action du gaz américain. Mais sous déjà là, déjà, donc on connaît qui ça fait l'action du gaz. Donc manger Coden, partout et tout passé. L'année prochaine encore, bien Coden pour manger Coden. Et puis, on n'est pas obligé de tenir les tensions pour manger Coden. Et les salpies pour manger. Alors, bon, mais l'autre dossier que manque de parler de lui, États-Unis, dernier état publié une note pour le dire, pour menacer les gens qui ont organisé le voyage en Haïti, surtout, qui ont mené les gens vers Nicaragua pour arriver aux États-Unis. Ils disent que ça ne va pas avoir aucune base pour rentrer aux États-Unis pour vivre de façon légale. Ils disent que c'est le temps a perdu, c'est l'argent a perdu, donc les États-Unis menacent pour les couper le visa organisateur. Pendant qu'il a encouragé les Cubains et Haïtiens à utiliser les moyens légaux qui sont à disposition pour venir aux États-Unis, au lieu de quitter l'argent pour manger comme eux. Et puis après, aux États-Unis, il a utilisé pour ne pas porter là, la Canada a ouvert un petit programme pour les Haïtiens avec Colombiens pour eux-mêmes tous venir participer au programme humanitaire. Pratiquement depuis vendredi, le programme ça a ouvert. C'est 15 000 personnes que le Canada dit lui-même la recevoir. Il dit déjà, le premier ministre Justin Trudeau dit déjà qu'il y a 4 000 à Cali déjà. Donc il était 11 000. Il y a place pour 11 000 personnes. Mais le portal dit tellement, quand ça a été vraiment restreint, et puis pour ces sous-qualifications, il faut que les gens qui sont au Canada, qui ont une résidence ou des citoyens canadiens qui ne peuvent pas dépendre de l'assistance dans le gouvernement canadien, etc. Ils sont handicapés. Et puis, il faut qu'on ait un lien de parenté à avoir, très proche, mari, madame, petite, et les gens qui sont capables d'appliquer pour vivre dans le programme. Non, cependant, mais on dit qu'il faut pareil pour vivre en dehors du Québec. On connaît que le Québec, c'est là qu'il y a un pile haïtien. C'est normal parce que il n'y a pas de français. Donc c'est la grande ville ici qui a eu. Mais Québec, lui-même, il n'a pas participé dans le programme. Ça. Donc, ou même soit pas entré parmi les 11 000 personnes pour ne pas aller au Québec. Donc ça veut dire que c'est un problème. Et les Haïtiens qui habitent au Québec, qui très certainement des familles, qui ont fait entrer au Canada, et bien, il y a Babier là contre le premier ministre Québec là, lui-même, qui dit lui-même, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans le programme ça lui-même. Donc, mais le programme est ouvert, donc c'est sous besoin de plus d'informations. Allez sur le programme Immigration Canada. Alors, le programme ça est différent du programme Biden, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus clément pour les immigrants, parce que le programme Biden est ouvert, là, bien large pour tout le monde. Débourser les citoyens de 4 pays que nous avons pour Venezuela, et Haïti, Cuba et Nicaragua, et débourser le monde aux États-Unis. Qui habite aux États-Unis, qui a des moyens financiers assez, qui gâche quoi tout, même si mon est des amours, même si tu es content avec mon nom, et bien mon nom, depuis l'appliquer pour vous, mon nom capable de nous, et bien on capable de venir dans le programme, non, le programme Biden. Et c'est pour ça que l'autorité américaine a encouragé les immigrants, les pays sérieux, ils ont utilisé les moyens légaux, ça pour venir aux États-Unis, pour venir passer par dans la loi, pour passer la vie, alors que les possibilités de leur vie sur frontière sont capables de ne pas rentrer, c'est que celui dans le programme, non, on garantit. 200 garanties pour apporter aux États-Unis. Ça ne va pas passer après, personne ne va pas connaître. Nous content, pas vrai? Et ok. Et bien, c'est ça, je vais dire, nous, là, donc, nous parlons du programme Canada pour ne pas oublier, le programme dans les Louvres, là, donc, sous les moyens, et au cas où nous, le Canada, pas de nous, c'est ok. Mais le programme Biden dans les loups là, 22 ans garantis là-dedans. Parce que bonne journée tout le monde. Moi-même, nous ne pas demain, mais après vendredi. Pour nous parler encore de l'autre grand point qui est censé dominer l'actualité. Moi, c'est un bail qui me dit même là, qui me dit parler nous. Moi, c'est un bail qui me écrit
Et ok, bon week-end tout le monde. Bon, ah, je dis bon week-end, non? Bon mercredi, et Jacqueline en cas l'après-midi, et Céline qui a présenté le programme de la télévision. Et demain, nous avons un programme spécial que m'invite nous suivre. Pour ensemble, pour nous suivre, un programme spécial sur qui vient pour avec Jou Feria, mais qui a plus de détails toujours, et puis Valérie Saint-Louis a frappé pour nous depuis une heure. Il faut être dans le cas tourner la Cali, New Jersey. Nous sommes contents, puis nous avons un gentil Augustin sur une prochaine. Monsieur, commencez. Monsieur, appelez-vous. Ok, bye bye tout le monde.